tombe de Philippe Noiret, au cimetière Montparnasse à Paris. Philippe Noiret est né en 1930 et est décédé en 2006. Il s'est illustré dans quantité de films à succès et est devenu ainsi un des plus grands comédiens français. On a pu le voir ainsi entre autres dans Zazie dans le métro, La nuit des généraux, Alexandre le bienheureux, La grande bouffe, L'horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, Le vieux fusil, Le jugé l'assassin, Coup de torchon, L'Africain, Force à Gagne, Les Ripoux, Chouan, Cinéma Paradiso, La vie et rien d'autre, La fille de D'Artagnan, Le bossu.